Et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans l'émission L'Artiste de la Semaine. Et l'artiste de la semaine, cette semaine, eh ben, est originaire de l'ouest de l'île de La Réunion. Et pourquoi mi cause français là? Parce qu'avec Nimgé cause créole, il y appelle Sophie Ligue d'Amis, avec des morceaux qu'il y a sortis dernièrement, des clips que vous avez vus dernièrement chez nous et même sur d'autres chaînes de télé ou sur les radios qui cartonnent actuellement. Hein. Sophie est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Sophie? Bonsoir, ben, ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va. Nous les contents d'avoir dans cette émission qui appelle l'artiste de la semaine, parce que toute cette semaine, nous les l'artiste de cette semaine. Ah, hein. C'est un très grand plaisir pour moi. On est très contente aussi d'être là. Avec un clip qui vient de sortir. Oui, qui appelle L'ambiance les bons. L'ambiance les bons. L'ambiance les bons. Est-ce que l'ambiance les bons, c'est un Sega piqué, ça? Oui, je me dirais un Sega piqué très ambiancé. Oui. Très ambiancé. Hein, parce que comme là, il dit plus Sega piqué, il dit Sega ambiancé. Ambiancé. À chaque période, il y a un nouveau nom. Hein. Donc des fois, après, on a du mal à les comprendre. Ouais. Mais ce Sega ambiancé, hein, pour reprendre les termes, hein, et que ça l'arrivait. Donc, parce qu'avant, on te connaît au plus dans un Sega Love. Oui, effectivement. Mmh. On m'a fait que du Sega Love jusqu'à présent. Mmh. Et aussi un Zouk. Mais après, ben, m'avait voulu ben, changer un petit peu de couleur juste pour voir que si les gens y adhèrent ou pas. Ouais. Donc là, ça m'a un petit peu plus dans les chansons un peu plus rythmées. Donc voilà, l'ambiance est bonne. Et apparemment, ben, il y est très bien perçu. Les gens y aiment beaucoup lors des prestations et tout. Donc pour moi, c'est le top, quoi. D'accord. Prends pas mal, hein. Si vous dites que vous voulez une pièce adaptable, c'est que vous arrivez à adapter dans ce gars l'ambiance, dans ce gars love, dans un petit peu de tout. Hein, il dit, chante du love, chante de l'ambiance, ou arrive à adapter. Hein. M'y essaye. Ouais. Alors, et cette chanson-là, hein, ce gars l'ambiance-là qui appelle L'ambiance les bons. L'ambiance les bons. Oui. Elle était écrite par qui? Ben moi-même. Ah, vous-même? Oui, moi-même, j'écris mes textes. D'accord. Ouais. Et comment ça arrive à vous d'un jour ou l'autre de commencer à faire du Sega Ambiance comme ça là? Parce que Sega Love, t'es assez ou là? T'es assez donné dans le Sega Love? Si, mais je pense que le Sega Love n'est pas fini pour moi. Mais après, c'est plutôt lors des prestations. Il voit aussi quand ben, il fait par exemple du Sega Love et ben, elle n'a pas la même perception en fait. Quand, ben, aussitôt que il fait du Sega d'ambiance, parce que maintenant, quand même, un petit Sega d'ambiance, mais ambiancé comme celui-là. Et m'y voit que les gens, ben, quand on met cette chanson-là, ben, ils dansent. Voilà, il y a une grande différence entre le Sega Love et le Sega d'ambiance. Ouais, donc, ouais. M'a voulu vraiment changer ben, pour faire participer le public, danser et tout. Mm-hmm. Et moi-même, comme j'aime danser, donc pour moi, c'est le top. Quoi. D'accord. Le Sega Love, ça nous a connu dans plusieurs morceaux comme ça. Elle avait quoi comme titre de Sega Love qu'on a fait? Alors, les premiers, ben, elle avait Mon Aimé, ben, c'est le titre de mon premier maxi CD, 5 titres. Donc, Mon Aimé, Notre Amour, Nous Deux Où, My Love Pourquoi. Tout dit tourne autour de l'amour. Voilà. Hein? Sauf ce dernier morceau-là. L'ambiance les bons. L'ambiance les bons. Il ne parle pas d'amour là-dedans. Non, en fait, il parle d'ambiance. Voilà, d'ambiance, festin familial. Mm-hmm. Voilà, c'est l'ambiance, quoi. Là, ça m'est arrivé à vous de faire un clip ou un morceau sur le mariage, sur, sur un événement, comme ça. Moi, on a des textes écrits sur mariage, mais moi, jamais mis en musique. Ou dans le bon moment pour sortir. Ben, peut-être aussi, voilà. D'accord. Alors, raconte-nous un petit peu comment elle arrive à vous pour ce morceau-là. Quand c'est arrivé, qu'est-ce qui l'a fait que ou l'a écrit ce morceau-là? Tim, franchement, je pense que quand il voit les festins, justement, comme elle est dedans aussi, hein, il voit ben, les gens, comment ils animent ça, ils ont les biens, ils sautent, ils chantent, ils mettent la joie. Voilà. Mm-hmm. Et en plus, nous réunionner, je veux dire. Ils aiment l'ambiance. Ils aiment l'ambiance. Ouais. Donc, forcément, je pense qu'on aurait eu une grande différence avec les chansons qu'on m'avait écrites avant. Mm-hmm. Voilà, donc. Parce que c'est vrai que quand tu connais Sophie Ligue d'Amis, tu connais les autres, ou plutôt dans ce cigare love, Sega très love, doucement. Il danse à deux, mais là, dans ce cigare-là, c'est pas si il danse à deux, là. Il danse à deux aussi là-dessus.
danse à deux et tout seul aussi. Et tout seul aussi. Voilà, qu'on finit boire et tout, donc. Qu'on finit boire, danse tout seul. Là, pas besoin, voilà. On peut danser à lit tout seul ou à deux, donc. Voilà. Et dans tout le bon morceau, là, d'après vous, lequel morceau l'a plus fonctionné? Lequel morceau l'a plus aimé ou, même en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, dans le bon morceau? Alors, pour être franche, moi, ma préférence dans tous les titres que m'a écrit, c'est vrai que l'a pas marché comme il fallait, m'a pas poussé non plus, mais c'est une chanson que m'a écrite pour mes enfants. Mm-hmm. Le titre, c'est Mon enfant d'ailleurs. Donc, ouais. Pour moi, ça va rester ma préférence dans tous les titres que m'a écrit jusqu'à présent. Et la première chanson qu'on a chantée, la première chanson que l'était clippée, l'était enregistrée, la première de Sophie Ligdamis, c'était quoi? C'était Mon aimé. Mon aimé. Mon aimé. Elle est sortie en quelle année, ça? En 2015. En 2015. En 2015. C'est parti de le premier album. Voilà. Ouais. C'est le titre de l'album, justement, mm-hmm. Mon aimé. Et puis, m'a mis en clip. C'est la chanson, justement, que l'a fait connaître Sophie Ligdamis en solo. Et aujourd'hui, le répertoire, il compte combien de morceaux comme ça? 13 ou 14. Ah ouais. Kayam, il compte pas. Kayam, il compte pas. Voilà, combien d'albums? Un seul. Après, on les a autres, deux c'est des titres sur une compilation que mm-hmm. a été fait par JC et Meta, mm-hmm. les deux frères. Mm-hmm. Mais sinon, un seul album. Mm-hmm. D'accord. Et généralement, qui compose le bon morceau? Alors, moi, j'ai écrit les textes et après, sur l'album, Mon aimé, c'est studio de JC, Best Sound Production. Mmh. Après, par la suite, j'ai eu l'occasion de faire un zouk, les totalement différents. Moi, la partie chez DJ Go. Oui. C'est un ami, en fait, que l'a orienté à moi vers cette personne. Donc, m'a fait ce zouk-là. Et l'ambiance, les bons, pareil, c'est chez Mathieu Gauvin. Oui, donc, Mathieu voilà. Gauvin, que nous connaît bien. Ouais. Un petit coucou ouais. à lui aussi. Oui. Donc voilà, c'est plutôt son style mauricien, de toute façon, la musique ambiancée. Donc, après, on veut dire, on l'a ouvert un petit peu à tout. Donc, Est-ce que dans le dernier morceau, là, l'ambiance. L'ambiance les bons. L'ambiance les bons. Nous retrouvons un petit peu cette connotation mauricienne à l'intérieur. Moi, m'y trouve, oui. Oui. Ouais, m'y trouve, mais après, bon. Moi, je trouve que Mathieu fait vraiment du très bon boulot là-dessus. Moi, je suis très contente de cette chanson. Mm-hmm. Et oui, je trouve qu'il représente quand même un petit peu mauricien. Ouais. Ouais. En tout cas, il y en a un morceau que moi, j'aime bien. D'ailleurs, tout à l'heure, avant l'émission, il commence comme ça. Quand moi comme ça, quel morceau vous voulez, je chante pour vous. Comme ça, il me dit, il y a un morceau que j'aime bien, c'est Nous deux. Nous deux, oui. Nous deux, oui. Hein? Les sorties, comment ça? Pas longtemps, ça? Alors, Nous deux, si, c'est quand même 2-3 années. 2-3 années de ça, là, à peu près. Ouais. Hein, ouais. Elle a bien marché, ce morceau-là, non? C'est des morceaux que quand ça va en prestation, comme dans ça, quand les soirées, les mariages et tout ça. Ouais. Hein, c'est un peu un morceau doucement, l'obligé pas trop compliqué. Que je chante ça comme ils sont en prestation, mariage, oui. C'est une chanson qui est très, très appréciée. Donc, c'est une chanson qui parle d'amour, d'un couple. Donc forcément, il faut m'y chanter dans un mariage. Quoi. Tout à l'heure, avant l'émission qu'on a commencé, la madame en a aussi, est-ce qu'un jour ou l'autre, tu chanteras une chanson sur le mariage et tout ça? Est-ce que cette chanson-là était aussi faite pour les mariages? En quelque sorte, je dirais oui. Oui. Uh-huh. Oui. Parle peut-être pas de mariage, mais c'est quand même l'histoire d'un couple amoureux. Donc, Où ça se rôle tout ça où? Franchement, il vient comme moi, ça. Moi, j'ai toujours été très, comment me dirais-je, inspiré. Ouais, inspiré par tout ce qui touche à l'amour. Donc, déjà étant jeune, il faisait beaucoup de poésie. Il m'avait un cahier plein de poèmes. Que je me tiens l'inspiration, mais mettez tout sur papier. Et voilà, du jour au lendemain, m'a décidé de chanter, de mettre les écrits. En chanson, quoi. Ah, d'accord, super. Alors, comme ça va, moi, il laisse ça où? Tout seul, là, hein, comme une grande. Hein. D'accord. Prend mon chemin, ça bat un petit carré de l'autre côté là-bas parce qu'elle n'a pas qu'une monnaie là-bas. Ah oui. Il laisse ça où tout seul ici avec François qui est derrière la caméra et Chloé à la régie là-bas avec ce morceau, il appelle Nous deux. Où là, où ça est tout seul là, ici, tranquille. Hein. D'accord. Et puis après, on nous retrouve tout de suite après les bons. Pas de souci. Ok, allez, à tout de suite. Parti.
mon millet, ou les côtés moins. Oui, moi, elle est tellement bien. Quand on paraisse mon jour, on dit oui, rien à moi. Ça même, moi, elle a besoin. Ce morceau, nous deux. Hein, oui, nous deux. Mais il faut dire que cette semaine, hein, si vous voulez, en clip, pas en clip de la semaine, mais artiste de la semaine, c'est avec ce morceau qu'on a sorti dernièrement. Là, hein. Dis-moi un petit coup, ce clip-là, t'es tourné par qui? Alors, l'ambiance les bons. Ben, c'est Fano. Toujours fidèle à Fano. Voilà, Fano. Donc, un petit coucou à lui aussi. Et puis, mes remercies à lui pour le travail qu'il fait à chaque fois. Toujours satisfaite. Pas de souci là-dessus, c'est quelqu'un est très posé, agréable à travailler. Alors, quand on tourne ce clip-là, moi, je m'y pensais que vous avez beaucoup de danseuses à l'arrière. Vraiment, un côté l'ambiance, mais c'était un petit peu plutôt un peu plus réservé. Non, c'était vraiment voulu, hein? Ben, à la base, mais voulait mettre des danseuses. Oui. Comme a voulu mettre la chanson en clip, ben, je me dis, bon, ce serait bien de mettre des danseuses. Pour animer le truc, mais après... Mais tout le monde y met des danseuses, voilà. Donc FM, pourquoi pas essayer de changer un petit m'a peu. Fait, hein, différemment, donc différemment, voilà, m'a fait la chanteuse, m'a fait la danseuse. Et puis, et puis après, il faut dire que Fano, il sublime aussi ce morceau-là avec ses images qui est extraordinaire. Moi-même, des fois, il me reste étonné quand il lit vraiment le clip, mais il me dit, franchement... Non, il fait partie de ce qu'on appelle des bons ici, hein, oui. À La Réunion, mais même, à mon avis, dans l'océan Indien, même au-delà de l'océan Indien, là, quelques personnes devaient arriver seulement à sa cheville. Enfin, il ne fait pas de la pub pour Fano. Hein, mais non, mais c'est la vérité. Bons, c'est hein, la vérité. Sur, voilà, sur c'est... clip, quand on reçoit vraiment les extra. Et puis, il y a quelque chose qu'il a compris, c'est que chez nous, dans les clips, il ne faut pas mettre trop l'alcool, trop la cigarette. Dans son clip, les bons, il n'y a pas de problème. Les stériliser son clip. Il dit de toute façon, s'il y a un truc qui ne colle pas dans le clip, ben, voilà. Il va dire ben, voilà. Là, ça, il ne faut pas faire, il ne faut pas mettre. Donc, On a des projets, là? Alors, projet, oui. On est en train de travailler sur un prochain titre. Toujours ambiancé, m'espère. Ambiancé que, voilà, encore, voilà. Alors. Ah, on est parti dans l'ambiance et ça va dans là. Hein, ben, m'y aime bien. Donc, m'a vu que l'ambiance est bon, l'a fait un petit parcours pas mal. Mm-hmm. Donc, il relance à moi dans une prochaine chanson ambiancée.
Après, ben, on a d'autres titres, Segalov aussi, donc voilà, mm-hmm. va venir après. Des projets d'album, un deuxième album, pourquoi pas? Pour l'instant, non. Je pense que m'a continué comme ça, faire des titres, mettre en clip. Parce que c'est vrai qu'à chaque chanson que m'y sort, m'y met à lire en clip, mais je dirais pas que moi, elle est comme les Madagascar, mais à chaque fois, moi, il y a un clip. Non, Madagascar qui a fait un album, là, 10 mois. Voilà, là, 10 clips. Hein. L'obligé maintenant, moi, l'obligé de faire ça. Ben, mais l'image est très importante. Elle est importante. Le visuel, pour moi, elle est très important. Tout en midi, le visuel, pour moi, elle est très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de radios qui jouent le jeu, il y en a beaucoup aussi. Et puis, il y a quelque chose que, bon, peut-être vous connaissez, c'est quand les gens partent sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple, parce qu'on peut le citer, hein. Oui. Ben, quand on a un morceau avec une image figée, il ne regarde pas trop. Par contre, quand on a un morceau avec un clip à l'arrière, il regarde 10 voilà. fois plus. Hein. Et donc ça la permet à moi d'être connu aussi. Il faut dire les choses comme il est. Mm-hmm. Ils sortent dans la rue au jour d'aujourd'hui. Pas un seul jour, ils ne sortent pas qu'on a toujours quelqu'un ou un enfant qui vient. Maman regarde, c'est la chanteuse. Donc il fait plaisir. Il fait très plaisir. Ouais. Même des fois, très souvent, il y en a des personnes qui se disent « Ah oui, on me voit tout le temps sur Canal Austral. » Donc, un grand merci, un grand merci pour ça. Et c'est là où on voit que tout le travail qu'elle a fait pendant des soirs perdus, des journées perdues, à essayer de créer cette musique-là, les récompenser par les allées et venues des gens sur la route qui viennent et puis qui directement. Fait trop plaisir, franchement. Il fait chaud au cœur. Ouais. On a quelqu'un qui a dit comme ça, quand on est à l'école, là où on est récompensé par une note de 0 à 20, quand on est artiste, on est récompensé par un nombre de personnes qui font un petit salut sur la route. Effectivement, les gars, oui. Voilà. Franchement, oui. On y remercie tout le monde, d'ailleurs, qu'ils suivent à moi, que ce soit sur les réseaux. Merci beaucoup pour le soutien que ça t'apporte à moi, parce que si t'es pas ça, je pense que moi, n'aurais peut-être pas continué. Mm-hmm. Mais m'y vois que derrière, on a un public, on a des gens qui veulent vraiment aider à moi, soutenir à moi. Donc, un grand merci à tous ces gens-là. D'accord. Et surtout qu'en prestation privée, où les fans, où ça va? Quand il appelle où ça va? Oui. Hein? Oui. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais adore ça aussi, de toute façon. Hein, et nous va profiter que nous allons à la télé pour dire bonne là, comme ça, arrête d'appeler à moi quand on a besoin de Sophie Damis. Hein. Comment il fait? Parce que maintenant, il n'arrête pas d'appeler. Moi, dis-moi comme ça, comment il fait pour joindre Sophie Damis? Dis à un petit coup, comment il fait? Une page bleue, comment? Ben oui, c'est à la page bleue. Comme il dit, chapa. Ouais. Alors, ben, soit c'est sur Facebook, Sophie Damis, chanteuse, ou mon numéro 06 92 73 29 82. D'accord. Au moins, comme ça, il sera tranquille, mais on aura un petit peu de vacances. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Au contraire, c'était un plaisir, encore une fois, d'être sur le plateau de Canal Austral. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Ouais. D'accord. Nous finissons tout de suite avec ce clip-là qui appelle l'ambiance. L'ambiance les bons. L'ambiance les bons. Après, nous retrouvons une prochaine fois. Pas de soucis. D'accord. Merci encore. Les bons. Allez, les parties. Et nous retrouvons la semaine prochaine, bien entendu, dans une nouvelle émission, l'artiste de la semaine.
passion, nous qui tient nos traditions. T'as pas l'air pour arrêter, fout ton soulier si côté. DJ Lapine annoncé, nous toutes si la piste faut défouler. La main sur le côté, montre-moi comment tu fais rouler ton rein. C'est l'ambiance notre nation, nous qui tient nos traditions. Si l'ambiance les bons, si l'ambiance les bons, si l'ambiance les bonheur elle allie jusqu'à grand matin. Si l'ambiance les bons, mais si l'ambiance les bons, si l'ambiance les bons nous repousse à l'île pour vos gâteaux. Donne à l'ido.